Ellipses, little sisters. We're the Ellipsy Littles, little sisters for you. Specs reads a lot with her bookworm so sweet. Salut tout le monde, aujourd'hui une review mini Lalalopsy avec Sia Battles Carrot et Meatus Benders Up. Alors, voici les deux boîtes mini Lalalopsy. On a Sia Battles Carrot à gauche et on a Meatus Benders Up. Alors, je vais commencer par Sia Battles Carrot. Alors, c'est en forme d'une tour de château, parce qu'en fait, le thème, c'est le chevalier et le château fort. Alors là, on a le logo, le nom Sir Battles Carrot en bleu. On a l'arrière-plan qui représente donc la tour du château avec un pont-levis. Voilà, à l'arrière. Alors, on a un peu de texte. Ici, il y a marqué... L'emballage réutilisable, collectionne-les tous, le logo mini Lalalopsy en bas, Sioux Magical Sioux Cute, et là, il y a l'âge de 4 à 104 ans, je rentre dans l'âge. Et moi, je rentre dans l'âge. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme éléments? On a donc le personnage, je vais commencer par les éléments. On a une épée en bois avec une petite encoche qu'on peut mettre à son poignet. On boit l'épée, elle est en plastique. Oui, mais c'est imitation bois. On a un bouclier magnifique. Attention, vos lunettes. Il est de couleur rouge et blanc. Je peux le voir, s'il te plaît. Il est beau. Ah, il est beau. On a des motifs dessus. Alors, on a une bobine de fil, un cœur. Ensuite, on a un fil et un bouton. Donc voilà les éléments qu'il y a sur le bouclier. Ensuite, il a un cheval de bois. Alors, son cheval de bois est très mignon, je l'adore. Il a les yeux en bouton comme les personnages mini Lalalopsy, donc noir. Il a une petite crinière marron. Et il est marron clair. Voilà. Et en fait, il a un petit accompagnateur. Et c'est un petit bébé dragon bleu. Magnifique avec des ailes. Regardez comme qu'il est beau, qu'il est mignon. Je vais pas le voir, mais c'est tout. Oh, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau? Voilà. Maintenant, le personnage Sir Battles Carrot. Ah, j'ai oublié de vous montrer l'arrière de la boîte. On a un dessin donc de la tour avec une porte prédécoupée là. Il est mort, il est mort, non, il est mort. Arrête de manger des régalins. Voilà. Donc maintenant le personnage mini Lalalopsy. C'est un garçon, donc il y en a très peu mais il y en a quand même. Il a les cheveux marrons, voilà, courts, genre un peu à la Jeanne d'Arc en coupe en bol. Les yeux noirs, les joues roses avec un sourire. On a ses petits bras qui sont tendus vers l'avant. Et en fait, il a un jogging en forme, en fait, imitation en fait, d'une armure, voilà, de chevalier. Il a des petites bottes noires, des genouillères, des petites genouillères pour protéger ses... Voilà. Et on a donc dans son sweat une fermeture éclair, et blanc et rouge, le sweat, comme le bouclier. Voilà. Donc, c'est bon pour... Sir Battles Carrot. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un personnage complètement différent. Oui, je vous le prête. Personnage complètement différent, c'est Meatus Benders Up. Alors, Meatus comme des mitaines, je pense. Enfin, pour l'hiver, en fait. Voilà. Donc, on a. En fait, c'est en forme un peu de petite maison. On a un toit là-haut. Très joli. Regarde bien. Voilà, en forme de petite maison. Alors à l'arrière, ce qui est super sympa, c'est qu'en fait la maison est en forme de tricot. Parce que là, il y a les boutons, il y a les aiguilles à tricoter. La maison est en forme de tricot. Oh, c'est vrai, tu as vu, Nini? Ah oui. Voilà, on a vraiment, c'est vraiment personnalisé. Et on a comme
Des petits... Des petits quoi? C'est une pretzel. C'est des pretzels. Ah. Vous êtes fait mal. Voilà, un pretzel. Donc le toit, c'est un peu imitation tricot, le toit. Voilà, on a le logo Meet and Bundles Up. L'emballage réutilisable devient la maison. Mini la loupsie, le logo sur Magical So Cute, comme d'habitude. Là, il y a marqué que c'est la troisième édition de 4 à 104 ans. Et le logo Gyoshi Preziosi, la compagnie de jouets. Alors, je vais commencer par la petite persona, le petit personnage qui est en haut à gauche. Alors, je sais pas, c'est un animal comme une petite souris ou un... Ah, je sais pas ce que c'est, ça. Une petite souris ou un ours polaire, peut-être. C'est un ourson. C'est un ourson, bah oui, parce que c'est ours polaire. Un petit ours. Voilà, un petit ours. Alors, il a une écharpe rose. Il a des petits yeux boutons, comme la Loupsy. Il est très mignon. Il est très beau. Ensuite, on a une belle perle avec un petit ruban rose au-dessus. Voilà, une perle. Et on a un petit dessin, en relief. C'est un petit cœur, en fait. Elle a un esquimau glacé. Un bâtonnet glacé. Qui a été croqué sur la gauche, c'est au chocolat. Alors, je sais pas si on peut voir dans la caméra que le bâtonnet glacé a été croqué. On voit les petites dents là. Voilà, on voit très bien avec des petits copeaux. Très mignon. Pourquoi vous rigolez? Parce qu'il me dit des bêtises, mon poney, il est bête, il est très idiot, il est pas. Oh, il voudrait en avoir un aussi. Tu peux lui en donner un petit? Bah, la prochaine fois. Et sinon, là, on a une luge imitation bois. Voilà, donc c'est très sympathique, cette petite luge. Maintenant, dans les revues, on ne parle jamais de prix. Est-ce que c'est important ou la magie des jouets n'a pas de prix? En fait, les prix dépendent des magasins, donc c'est pour ça que je ne parle pas de prix. D'accord. Voilà. Et quand on aime un article, le prix n'a point d'importance quand même. Oui, mais je peux dire une fourchette de prix si vous voulez. Vous voulez le savoir? Ça dépend. C'est entre 8 et 13,50€. Oh bah, on peut en acheter plusieurs alors, à ce prix-là. Oui, bah 8 euros, c'est... Je vais pas dire de magasin, mais des supermarchés, vous pouvez trouver moins cher. Donc un conseil, allez dans les supermarchés, c'est moins cher. Où on fait des courses pour acheter ton canard, mon petit cheval. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la Loupsy. Elle a les cheveux bleus. Elle a un ruban blanc pour chaque couette. Donc voilà. Elle a les yeux noirs en boutons, comme d'habitude, le sourire, les joues roses. Ensuite, elle a une belle doudoune, toute blanche, toute bien gonflée. Avec trois boutons roses, les petits gants bleus, très mignon. Voilà, en fait, elle a une robe rose, en fait, je pense, en dessous, c'est voilà. Et elle a comme des petits collants bleus à pois blancs. Elle a des très belles bottes. Ah, c'est beau. Elle a des très belles bottes roses, voilà, avec des petits lacets blancs. Voilà, et là ça gigote, on bouge la boîte, les petites jambes gigotent. Voilà. Donc voilà pour la review des deux mini la Loupsy, c'est-à-dire Sia Butterscarred and Mittens Bundles Up. Laquelle préférez-vous, madame l'invité mystère? Comment vous appelez? Je m'appelle... Mangming. Voilà, donc c'est fini pour la review. Il faut que je choisisse. Oui. Je vais demander à mon petit poney qui est à côté de moi. Quel est ton préféré? Je vois que je pense que c'est bien. C'est Sir Butterscarred. Donc, selon vous, c'est celui-ci. Pourquoi? Ah, moi je sais pourquoi elle a choisi. Parce qu'il voudrait avoir un cavalier comme Sir Butterscarred. Ah bah voilà. Et oui, c'est ça. Et puis en plus, elle aurait un meilleur ami, ce serait le petit cheval de bois. Oui, mais en quelle année est-il né? Non, c'est pas ça. C'est pas marqué. Hein. Je vois que dans 3 ans, c'est son année. D'accord. Donc la review est terminée.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine review mini Lala Loupsy. Je vous dis à bientôt. Au revoir, merci d'avoir participé. Mais c'était un plaisir, merci. Et